Message numéro 4. En regardant encore seulement ça, la joie me revient comme dans cette vision. Ça, c'est le mercredi. Ça, c'est 22, ça. 22, oui. Ça, c'est le 22, oui. Mercredi 22, 5, 2024. Ça, c'est à minuit 30. Écoutez-moi bien. Ça, c'est pour le Cameroun. Quand il s'agit du Cameroun, écrivez en bille rouge. Où est ton cahier? Comment? Ah, tu es seulement venu boire. Comme vous êtes habitué, c'est qu'on vient. Waouh! 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 Maintenant, vous ne venez pas avec le cahier. Je vais vous prendre ici un temps où vous allez venir comme ça. Je dis personne ne rentre. On bloque la porte là-bas. On bloque la porte là-bas. On enseigne jusqu'à ce que ça finisse. Vous venez maintenant, d'autres n'apportent plus la Bible. Parce qu'ils disent allons à Yabouma. Allons boire. Donc, permettez que je transmette ce message-ci, d'accord? Alors, ce message-ci me réjouit parce qu'en fin de compte, en dehors, écoutez-moi bien, depuis qu'il sert le Seigneur, en dehors du message concernant le réveil qu'il a dit, des grands bouleversements, des grands changements qui vont venir, qui me réjouit le cœur, voici le premier message sur le Cameroun qui m'a réjoui le cœur et qui me réjouit le cœur. La refonte du Cameroun. Notez bien la date et je vous le dis, si vous pouvez écrire ça en rouge, vous écrivez en rouge. La refonte du Cameroun. Quand il parle de refonte, vous comprenez la refondation du Cameroun. Bon, pendant que vous regardez maintenant, est-ce que vous voyez quelque chose au pays? Non. Non, pas de souci. Tout est calme. Continuez comme avant. Tout marche comme avant. N'est-ce pas? Le Saint-Esprit dit la refonte du Cameroun. Le Saint-Esprit dit qu'il y a une conférence, un regroupement des Camerounais d'ici et d'ailleurs qui vont s'asseoir autour d'une table pour parler d'un, écoutez-moi ça, d'un nouveau pacte social. Amen. Merci Seigneur. Ah, magnifique. Vous comprenez ça, c'est bon à vous comme à moi aussi. Ok. Donc, permettez que je transmette tous ces messages, vous voyez. Ça, c'est bon dans votre cœur aussi. Amen. Très bien. Donc, le Saint-Esprit parle d'un nouveau pacte soudain. Il y a une conférence qui sera organisée par les Camerounais d'ici et d'ailleurs, dit l'Esprit de Dieu, pour parler autour d'une même table d'un nouveau pacte social. On va redéfinir les choses du Cameroun. C'est la volonté parfaite du Seigneur pour le Cameroun. Je suis conscient que quand on souffre, c'est pour ça que je vous dis que c'est le deuxième message qui me réjouit depuis en dehors du réveil. Parce que tout ce qu'ils font pour le Cameroun, c'est souvent mauvais. Mais quand il m'a dit ceci, je me suis réjoui. Je me suis prosterné pendant des heures pour le louer. À cause de ce qu'il a dit. Maintenant, l'Esprit de Dieu dit, voilà l'itinéraire pour le nouveau Cameroun que le Seigneur veut faire. Un nouveau Cameroun arrive. Le système actuel disparaîtra, dit l'Esprit de Dieu. Alléluia. Magnifique. 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 Magnifique, notre Seigneur. Magnifique Jésus. Magnifique. Alléluia. 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 Sera modifié. Qu'un certain vent modifie l'hymne national du Cameroun soit conclu par le Saint-Esprit. Et que l'hymne national du Cameroun soit une louange pour glorifier le Seigneur. Amen. Alléluia. Écoutez bien. Écoutez bien. En fait, c'est l'esprit de la prophétie. Parce que c'est contenu dans la prophétie, mais je n'ai pas voulu parler.
Parce qu'en fin de compte, ce pays-ci honore la reine du ciel et les ancêtres. Mm-hmm. Ça doit changer. Amen. Le Cameroun appartient au Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Je finis là. Le Saint-Esprit dit, c'est dont on a envie de parler, c'est dont on a envie de parler qui est contenu dans ce message-ci. Ce n'est pas qu'on est en train de chercher des gens. Il y a déjà des gens que Dieu a inspirés. Ce ne sont pas des chrétiens. Ce sont des gens intègres qui ont eu des visions pour le pays. C'est le Seigneur qui leur a mis ces visions. Ils ont déjà constitué le travail clair que le Saint-Esprit leur a montré. Je ne parle pas des chrétiens. Donc Dieu est passé par les Camerounais qui sont déjà prêts. Ils sont partout dans le monde entier. Ils communiquent. Dis le Seigneur. Camerounais d'ici et d'ailleurs, le soleil de justice se lève sur votre pays. Amen. Le nouveau Cameroun, tant prophétisé, arrive. Amen. Vous serez dans la joie bientôt. Amen. Le moment vient où les blancs viendront chercher le travail. Merci ici. Seigneur. Dit l'Esprit de Dieu. Amen. Quel Cameroun, quel Seigneur nous avons à servir. Merci Père.